Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre carrière manager avec Chelsea. Et aujourd'hui, on commence tout simplement avec un petit transfert de Goretzka, qui serait plutôt pas mal. Donc j'envoie Drinkwater normalement à Schalke en échange de Goretzka. Et puis par la suite, je vais essayer d'avoir un buteur, un troisième buteur, mais au final, j'y arriverai pas. Donc voilà. Et dans cette vidéo, ce sera tout simplement une chance de voir Messi. Une chance d'avoir Messi à un autre poste. La première partie, je ne vais pas le mettre, mais Fekir va se blesser. Donc ça va être un peu la merde. Et donc le poste de MOC va être libre et j'ai décidé de mettre Messi en MOC, comme quelqu'un me l'avait dit en commentaire. Je ne me souviens pas ton pseudo, je suis désolé. Mais voilà, il m'avait dit même SMSI en MOC parce que voilà, lui il y a Neymar dans sa carrière et puis il n'arrive pas à tout simplement jouer avec lui à gauche. Donc il l'a mis en MOC, donc ça c'est plutôt pas mal. Je l'ai écouté, j'ai essayé. Bien sûr, au début je voulais tenter Moussanda à droite, mais voilà, Fekir s'est blessé et puis j'ai voulu tout de suite mettre Messi MOC et puis voir ce que ça va donner. Et pourtant, j'ai vraiment pas été déçu. Vraiment pas été déçu. C'est le Léo Messi que j'ai joué avec sur FIFA 17 avec le Barça quand il s'avait blessé pendant de longs mois. C'est vraiment ce Messi là que j'ai retrouvé, le Messi complet qui arrive à faire un jeu. Là à droite j'arrivais pas à jouer avec lui, c'était un truc de malade, il ratait tout. Tandis que là vous allez voir dans cette vidéo, c'est vraiment Messi, c'est la Pulga quoi, c'est vraiment le Messi. Le numéro 1 ou numéro 2 au monde, ça c'est à discuter. Donc là vous pouvez voir que je pars sur faire venir King, mais le truc c'est comme la dernière fois en fait, j'avais pas assez de budget et là j'essayais de baisser le prix et ça allait pas marcher et puis il me faisait chier. Donc voilà, au final ça a vraiment pas marché pour King. Je faisais des offres et puis ils s'en battaient les couilles, Bournemouth. Donc voilà, au final ça marchera pas. J'essaie quand même, j'essaie des offres, mais voilà quoi. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai réalisé que je pouvais vraiment pas le recruter pour le moment. Peut-être si je vendais David Luiz ou Diego Costa. Voilà, j'essaie de faire des trucs. Ils vont réfléchir et puis ça va pas marcher. On se lance tout de suite dans le premier match contre Leicester avec. Tout simplement Fekir en MOC et Hazard qui est complètement juste complet, un truc de malade. Donc là Fekir est toujours sur le jeu, je pense c'est vers la 30e ou 40e minute qui va sortir. Et là la petite tête sur Samuel Umtiti, donc ça fait plaisir. J'arrive pas souvent à marquer avec des défenseurs parce que habituellement je les fais rester derrière, tandis que là Umtiti, je sais pas, il a pris son courage, il a monté pour faire le 1-0 face à Leicester. Donc ça fait plaisir de pouvoir marquer avec des joueurs différents que Hazard, Messi, Morata et Fekir à droite. Parce que Fekir, je vais le faire jouer à droite maintenant. Donc là, on part sur une autre action. Morata qui va tout simplement lancer Eden Hazard. Et c'est à partir de là, le petit Ronaldo Shop qui fait plaisir. Morata, et là j'ai... là vraiment, vous allez voir, je vais laisser le ralenti, il me semble. Et puis, c'est vraiment n'importe quoi. Le défenseur va tout simplement laisser passer le ballon à côté de lui. Morata qui prend la balle et qui la frappe tout simplement. Donc là, je change Fekir pour faire rentrer Léo Messi. Et ça va tout simplement débloquer Eden Hazard et Messi ensemble. C'est juste un truc de malade. Léo Messi pour le 3-0. Il vient de rentrer et il marque déjà. Donc voilà, ça veut tout dire. Il est vraiment chaud. C'est un truc de malade. Là, on a Willian qui fait une petite percée de fou pour la passe à Hazard. Le petit Rabona des familles qui fait plaisir. Et le 4-0 face à Leicester. Donc, ça fait plaisir de pouvoir gagner un match 4-0 comme ça. Surtout que c'est Leicester. C'est pas le plus petit club d'Angleterre. C'est un club de milieu de tableau. Quoi. Donc, voilà. On part dans le prochain match face à Arsenal. Ça a été un match beaucoup plus compliqué là. Mais bon... on essaie de construire, Messi qui envoie Goretzka, Goretzka qui fait la fin de frappe pour frapper très proche. J'aurais dû la passer, je pense. Je viens de remarquer que j'aurais dû la passer. Mais bon, ce qui est fait, hein. Ça fait quelques jours d'ailleurs que j'ai enregistré gameplay, donc ouf, ça fait mal.
J'ai changé Willian pour Fekir. Non, j'ai changé Fekir pour Willian. Donc là, Willian rentre. Et voilà, donc ça fait mal. Léo Messi qui arrive. Oh là là, la petite chance. Tout seul contre le gardien. Et j'arrive tout simplement pas à frapper. J'aurais peut-être dû frapper avant, mais j'avais peur que ça rentre pas. Et là, vraiment, ça rentrait juste pas. Messi qui rentre. Et qui rentre, qui lance Diego Costa. Et là, ça bug pour moi. Donc, aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, au final, le 1 à 1 des familles. Je sais pas, mon gameplay s'est mis à boyer pour moi. Je pense que c'est niveau montage. Léo Messi qui marque pour faire l'égalisation. Et je pense que voilà, ça va rester comme ça. Il va rien se passer d'autre. Il me semble, si je me souviens bien, on a reçu une offre pour Diego Costa. D'ailleurs, le joueur que vous voyez là, c'est un joueur que j'ai pris du recruteur chez les jeunes. C'est un joueur qui a un assez gros potentiel. Donc voilà, j'essaie de le monter en général. C'est un AT, il peut jouer MOC, BU. C'est pour ça que je voudrais m'en servir comme troisième buteur au cas où s'il y a un truc qui arrive. On se reçoit une offre de Manchester City pour Diego Costa. Normalement, je vais accepter une offre plus tard. Donc Diego Costa, normalement, il est vendu. Donc là, on part sur le match face à Stoke. On a Eden Hazard tout seul. La petite frappe croisée des familles. Pleine lucarne, donc ça c'était vraiment une frappe juste magnifique, j'ai envie de vous dire. Je vous jure que Messi et Hazard ensemble, c'est un truc de malade. Donc voilà, on peut voir, je pense que c'est Morata qui va lancer Hazard pour la frappe croisée. Je pensais vraiment pas que ça allait rentrer, mais c'est rentré, donc ça fait extrêmement plaisir quoi. Donc la prochaine action, on part sur un Léo Messi comme d'hab, qui l'envoie à Morata, qui la repasse à Messi. Je pense que je vais l'envoyer à Willian, j'attendais qu'il monte. Donc là, Willian qui va s'avancer, Ronaldo chope. La passe à Bakayoko, on construit tout. Donc voilà, Bakayoko qui fait la petite passe à Morata pour l'arrêt de Botland, qui est très très chiant d'ailleurs dans ce match. Même si c'est 1-0, le petit poteau des familles. Donc là, ça commence à partir en sucette. On essaie de faire une tête avec Morata, ça marche pas du tout. Eden Hazard qui va reprendre le ballon, la passer à Kanté pour Rudiger. Aller jusqu'à Messi. Là, j'attendais que Willian monte, mais voilà, il a pas voulu monter. Donc on y va avec Messi quoi. Allez, les petits pas de Messi dans la surface. Soit c'est péno, soit on se fait enlever le ballon. La grosse frappe d'N'Golo Kanté arrêtée par Botland. Prochaine action, on a Léo Messi encore une fois qui arrive et qui frappe. La grosse frappe pour le 2-0 Chelsea face à Stoke. Vraiment, Messi, il est lourd, je vous l'ai dit. C'est un truc de malade quoi. Il est clairement aussi bon, même je dirais meilleur que quand j'ai joué avec sur le 17. Parce que quand j'ai joué avec sur le 17, il était en fin de carrière. Donc il va bientôt prendre sa retraite. Pardon. Donc voilà, c'était un peu... c'est bon, un peu pour ça que j'ai pris Messi en partant. Je voulais l'essayer. L'an dernier, voilà, le 3-0 des familles signé Morata. Donc voilà, je voulais prendre tout simplement Messi cette année. Parce que l'année dernière, j'ai pris Ronaldo directement en partant. Donc c'est plutôt pas mal. Morata qui plante tout simplement le 3-0 des familles, qui fait plaisir. La grosse passe pour Goretzka. Goretzka qui met son premier avec Chelsea pour le 4-0 Chelsea face à Stoke. Ça fait plaisir. Surtout Goretzka que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc là il y a un peu un souci entre Bakayoko et Goretzka. Parce que voilà, c'est le même poste. Donc c'est un peu compliqué. Et puis voilà. Voilà, dernière petite action et c'est la fin du match. Victoire 4-0 de Chelsea face à Stoke. Et je vais tout simplement vous montrer par la suite tout ce qui est stats, classement des joueurs. J'ai pas regardé le classement de la ligue parce que je sais qu'on n'est pas au top. Mais on est proche, je pense qu'on est deuxième ou troisième, un truc du genre. Donc voilà, je vais vous laisser avec le classement de la ligue. Moi, je vais y aller. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!